La longe est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah honore et élève davantage en degré le rang de notre Maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. nous continuons notre cours dans le chapitre de la zakah, dans le Muqtasar de l'Imam al quduri rahimahullah ta'ala. Le Sheikh al quduri dans le chapitre de la, de la zakat sur les bovins, a dit, il n'y a pas de zakat à payer pour moins de 30 bovins qui pâturent. Euh, le fait ici qu'il mentionne, comme on l'a vu précédemment pour les chameaux, le fait que euh, ce bétail-là pâture, ça c'est une des conditions pour qu'il y ait la zakat, comme on l'a vu et comme on va le voir encore par après. Donc, le premier seuil que l'on a vu pour les chameaux, c'est 5 têtes, c'est-à-dire en dessous de 5 chameaux, il n'y a pas de zakat. Et maintenant, concernant les bovins, alors si la personne a moins que 30 bovins qui pâturent, alors il n'y a pas de zakat euh, sur ce nombre, tant que la personne n'a pas atteint les 30. Puis il dit, Rahimahullah, lorsque ces bêtes atteignent le nombre de 30 et qu'une année s'est écoulée, la zakat et de un veau mâle ou une femelle. Euh, d'un veau que ce soit mâle ou femelle. du moment où la personne elle aura eu donc 30 bovins. et qu'il aura eu ce seuil-là au début de l'année et à la fin de l'année comme on va l'expliquer euh, par la suite inshallah. alors la zakat elle est due. combien il doit donner de zakat pour ces 30 bovins il doit donner un veau. Qu'il soit mâle ou femelle. Ensuite, lorsqu'il atteint 40, lorsqu'il atteint 40, à partir de 40, il s'agira d'un veau mâle ou femelle. Euh mmh. Euh, ici, il faut, que je me... il faut que je révise, mais euh, la différence, elle est par rapport à l'âge ici du, euh, du veau ou, ou de la femelle ou de la génisse. Mais il faut que je vérifie par rapport à l'âge quand on a les 40. Et par la suite, lorsqu'il dépasse les 40, alors, selon l'imam Abu, Abu Hanifa, rahimahullah, on devra donner. Jusqu'à 60 bêtes possédées, la proportion de ce qui vient d'être cité. C'est-à-dire que pour une bête, il faudra donner un quarantième d'un veau mâle. C'est-à-dire dès lors que ça dépasse les 40, s'il a plus que 40, il n'a pas encore atteint les 60, comme on va le voir après. Mais euh, jusqu'à 60 bêtes, de 40 à 60, selon l'imam Abu Hanifa, alors il va donner selon la proportion de ce qui vient d'être cité. Donc, euh, pour expliquer cela, le Cheikh Al-Qudour il dit, c'est-à-dire que pour une bête, on donnera un quarantième d'un veau mâle ou femelle de deux ans passés. Pour deux bêtes et plus, il faudra donner deux quarantièmes d'un veau mâle ou femelle de deux ans passés. Et pour trois bêtes en plus, il faudra donner trois quarantièmes d'un veau mâle ou femelle de deux ans passés et pour quatre bêtes en plus, il faudra donner 4 quarantièmes d'un veau mâle ou femelle de 2 ans passés. Ça c'est selon euh, l'imam Abu Hanifa rahimahoullah. En revanche, ces deux élèves, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad rahimahoullah, ils ont dit qu'il n'y a rien à ajouter après 40 et ceci jusqu'à atteindre le nombre de 60. À partir de quoi, il faudra donner deux veaux mâles ou femelles d'un an passé. Donc Selon les deux compagnons, selon Abou Youssef et Muhammad, que Allah leur fasse miséricorde, entre 40 et 60, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, tant que la personne n'atteint pas les 60, alors, selon les deux élèves, il ne donnera pas quelque chose en plus. Il n'y aura pas quelque chose en proportion, proportionnellement, comme on l'a cité avant par rapport à la vie de l'imam. À partir de 60 seulement, il faudra donner deux veaux qu'ils aient euh, deux veaux qu'ils soient mâles ou femelles d'un an passé. Donc par la suite, il dit si maintenant, donc s'il a comme on a dit euh, 60, dès lors qu'il a 60, qu'est-ce qu'il donnera Il donnera deux veaux de euh, il donnera donc deux veaux. Deux veaux de une année, que ce soit mâle ou femelle. Un, donc un tabir Lorsqu'il atteindra, lorsqu atteindra 70 ou 70, il faudra donner un veau de deux ans passés et un autre d'un an passé. Pourquoi Parce que pour les 40, on donne euh, une mousinna, un veau ou, mâle ou femelle de deux ans, et pour les 30, on donne un veau de une année. Pour la, pour ce qui équivaut à la tranche de 40, c'est un veau de deux ans. Et ce qui équivaut à la tranche des 30, c'est un veau de une année. Puis par la suite, s'il atteint 80, alors il devra donner 2 moussines. C'est-à-dire, ici, 40 et 40. Donc, par rapport aux 40, ce qui équivaut à cela, c'est le veau mâle ou femelle de 2 ans passés. Ensuite, lorsqu'il atteint les 90, lorsqu'il atteint euh, les 90, alors il devra donner... 3 euh, veaux d'un an passé. 3 veaux d'un an passé. Et lorsqu'il atteint 100 lorsqu atteint 100, alors il donnera 2 veaux de 1 an et un veau de 2 ans. Chaque fois on fait le calcul, donc comme on a cité. Dans les 100, il y a deux fois les, il y a deux fois les 30, donc ce qui équivaut à deux fois le veau qui a passé une année et les 40 qui restent par rapport équivalent au veau qui a deux années, au veau mâle ou femelle qui a deux années passées. Ensuite, sur cela, alors on considère ou on augmente de la même manière à chaque palier de 10, en passant du veau d'un an passé vers le veau de deux ans passé, et ainsi de suite. C'est-à-dire chaque fois, on passe en fonction, lorsqu'il y a 10 en plus, alors il y aura à chaque fois... Euh, euh, à chaque palier, on va passer, on augmente soit un veau de deux ans ou soit ce sera un veau de une année et ainsi de suite. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas de différence entre al-jawamis et al-baqar, c'est-à-dire entre les buffles et les vaches. Euh, dans certains pays, comme dans les pays du chem, les buffles ne sont pas connus du tout ne sont pas connus du tout. Eux, ils ont surtout le, les, les bovins, la vache, surtout la vache rouge qui est très prisée et très connue, spécifiquement dans les pays du Chame qui vient spécifiquement des pays du Chame. Donc, les gens dans les pays du Chame, les jawamis les buffles ne connaissent pas du tout. Ils ne savent pas du tout c'est quoi. Mais euh, en Égypte, en revanche, c'est beaucoup plus répandu. Et les savants, ils ont mentionné donc que les buffles et les vaches sont identiques. C'est-à-dire que c'est possible que de certains gens du Chame ils ne vont pas du tout, euh, s'ils voient un buffle, ils ne vont pas du tout savoir qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, que cela. Alors, les, les savants ont mentionné que, euh, pour, dans le sujet, ils ont mentionné que les buffles, euh, c'est une sorte de vache, tout simplement, et que ça rentre également dans l'obligation de la zakat par rapport au bovin. Ensuite, le Cheikh Al-Qudouri, Rahimahullah, parle de la zakat au sujet des ovins. Euh, des ovins et euh, des caprins, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Donc, il mentionne, Rahimahullah, qu'au sujet de la zakat sur les ovins, il n'y a pas de zakat à payer pour moins de 40 moutons qui pâturent. Si la personne a moins de 40, il n'y a pas de zakat à donner. Puis, lorsqu'ils atteignent le nombre de 40, et qu'une année s'est écoulée, également, cette condition-là, comme on l'a vu, et qu'on le verra en détail après, la zakat est d'un mouton, et ce, jusqu'à 120 moutons. Donc ici, contrairement à ce qu'on a vu avant, il n'y a, euh, euh, a pas une, euh, on passe pas au palier suivant par analogie, c'est-à-dire... Quand on parle des chameaux, le premier seuil est de 5, le deuxième seuil est de 10 et ainsi de suite. Quand on parle des euh, bovins, on a parlé, le premier seuil est de 30, euh, puis par la suite s'il a 60, il va donner 2 veaux, etc. Tandis que là, euh, du point de vue de l'analogie, ce n'est pas le même calcul qui est fait ici. C'est-à-dire, si on, on ramènerait le, le calcul euh, du point de vue rationnel, on dirait... Euh, si la personne a 80 moutons, 80 moutons, alors il devra donner, euh, il devra donner en, en, en zakat un mouton. Euh, deux moutons si l'on a le double des 40, alors que ce n'est pas le cas ici. La zakat est d'ailleurs d'un mouton jusqu'à 120 moutons. C'est-à-dire tant que la personne n'a pas atteint les 120 moutons, alors il n'aura pas plus de zakat que le premier palier des 40, qui est un mouton. Et s'il en a un de plus, alors il faudra donner deux moutons, et ceci jusqu'à 200. C'est-à-dire, euh, à partir de 121 moutons jusqu'à 200, alors il donnera deux moutons à partir de ce chiffre-là. 121 moutons jusqu'à 200 moutons. Et s'il s'ajoute un de plus à cela, il faudra, il faudra donner trois moutons, c'est-à-dire depuis 201 euh, jusqu'à... Euh, euh, jusqu'à 200, 201, il faudra donner 3 moutons. Et ce, jusqu'à 399, jusqu'à 399, il donnera 3 moutons. Et dès lors qu'il atteint 400, 400 moutons, il faudra donner 4 moutons. Et pour chaque centaine, il faudra donner un mouton. Pour chaque centaine de plus, il ajoutera un mouton. C'est-à-dire depuis les 401 jusqu'aux 500, depuis les 501 jusqu'aux 600, etc. Et ainsi de suite. Puis, le cheikh mentionne que, de, du point de vue, euh, les moutons et les chèvres sont égaux également. C'est-à-dire que si la personne a 20 chèvres et 20 moutons, alors euh, il aura atteint les 40. Il aura atteint les 40 et il donnera la zakat sur cela. Zakat sur les chevaux. La Zakat sur les chevaux. Alors, il y a divergence entre, comme on va le voir, entre l'imam Abu Hanifa et ses deux élèves. Est-ce qu'il y a la Zakat sur les chevaux Si oui, de combien Ou est-ce qu'il n'y a pas de Zakat sur les chevaux Alors, selon l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire l'auteur commence en citant le calcul ou citant le détail par rapport à euh, la Zakat sur les chevaux, par rapport à l'imam. Si les chevaux sont. Des chevaux de pâturage, mâles et femelles. alors le propriétaire a le choix. S'il veut, il donne pour chaque cheval un dinar. Et s'il veut, il estime la valeur des chevaux et donne pour chaque 200, 200 dirhams 5 dirhams. Donc il, il donne à, à l'équivalent du le, 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 le 2,5%. Donc il a le choix. Soit, euh, comme on a dit, pour chaque cheval, il donne un dinar. Et euh, un dinar, euh, c'est une pièce d'or qui pèse environ entre 4 et 5 grammes. Un, et entre 4 et 5 grammes d'or. Donc il peut donner un dinar pour chaque cheval, ou bien il estime la valeur des chevaux, et par rapport à cette valeur-là, pour chaque 200 dirhams, il donne 5 dirhams. Et il n'y a pas de zakat à donner s'il ne possède que des mâles. Pour cela, il a cité euh, précédemment euh, s'il si a, si a des chevaux de pâturage, mâles et femelles, ou femelles uniquement. Dans certaines versions du, du, du Quduri également, il est cité également, euh, ou des fois, c'est quand ça, ça ne l'est pas cité dans certains, euh, dans certains euh, résumés, certaines versions de résumés, euh, dans certains commentaires, de, comme le Lubab du cheikh al alors il mentionne euh, ou de euh, ou femelles uniquement. Mais comme il a mentionné, il n'y a pas de zakat s'il ne possède que des mâles. Abu Youssouf et Mohammad... Euh, Abu Yousuf et Muhammad, on dit qu'il n'y a pas de zakat à payer concernant les chevaux, c'est-à-dire dans l'absolu. Le détail concernant la zakat pour les chevaux, revient à, à la vie de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. De, ensuite, le cher dit de même, il n'y a pas de zakat. De même, il n'y a pas de zakat à payer pour les mules, les mulets et les ânes, sauf s'ils sont destinés au commerce. C'est-à-dire que tant que la personne euh, Utilise ou a des mulets ou des ânes euh, pour autre que le commerce, il les a pour, euh, pour les monter, pour le travail, par exemple. Euh, il n'y a pas de zakat là-dessus. Maintenant, s'il si les engage dans, un, dans le commerce, alors ça rentrera dans la zakat du commerce, comme on, comme on le verra, Inch'Allah, ta euh, plus tard, dans les chapitres suivants. Après avoir cité la zakat sur l'argent, et après avoir cité la zakat sur l'or. On parlera des, de la zakat concernant les transactions, le commerce. Si la personne fait du commerce euh, avec des chevaux, si la, fait, la personne fait du commerce avec d'autres choses qui ne sont pas dans les catégories, dans les sujets de base de la zakat, euh, alors il y aura la zakat vis-à-vis -vis du commerce. Ensuite, il a dit concernant les petits de la chamelle ou les petits de la brebis ou les petits de la vache. Il n'y a pas de zakat à payer selon les imams, imams Abou Hanifa et Mohamed. Sauf s'il y a des bêtes âgées avec ces petits. Et Abou Youssef a dit qu'il faut donner un de ces petits. Euh, donc ici, qu'est-ce que cela veut dire comment on explique cela. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la vie de l'imam Abu Hanifa, l'imam Muhammad, c'est-à-dire que si la personne, il n'a que des petits de la chamelle, ou il a que les petits de la brebis ou de la vache, alors tant qu'il n'y a pas une, une bête âgée avec, avec ces petits-là, une bête adulte avec ces petits-là, alors il n'y a pas de zakat. S'il y en a une, alors il y aura la zakat. Comme si par exemple, comme si par exemple, euh, comme si par exemple j'ai 39, euh, 39 euh, petits du mouton et de la brebis. J'ai 39 petits de la brebis. Et j'ai une brebis avec. Alors selon l'imam Muhammad, Selon euh, oui, l'imam Abu Hanifa et l'imam Muhammad, alors on donnera la zakat. Qu'est-ce qu'on donnera comme zakat? On donnera ici une brebis, comme on l'a vu euh, précédemment dans le chapitre, lorsqu'on atteint 40, on donnera un mouton. Euh, lorsqu'on a atteint les 40. Et si, euh, et si en revanche et, euh, pardon, et quant à Abou Youssef, il a donné, lui il dit, il faudra donner un de ses petits. Il donnera un de ses petits. Ensuite, il dit, celui qui doit donner une bête d'un certain âge, mais qui n'en possède pas, l'agent de Zaka, celui qui est chargé de prendre la Zaka, prend une bête supérieure à celle due et rend au propriétaire le surplus de valeur. Ou l'inverse, sinon, il peut sinon prendre une bête inférieure et prendre en plus la différence de valeur. Par exemple, euh, on a vu par exemple à certains seuils des chameaux, on doit, donner, on doit donner dans le seuil des chameaux euh, une chamelle qui a atteint deux ans, par exemple. Dans certains cas, quand on a atteint un certain nombre, comme on l'a vu, on doit donner comme Zaka. Une chamelle qui a atteint deux ans. Alors, si par exemple, moi je n'ai pas de chamelle qui ont atteint deux ans, mais j'ai une chamelle qui a atteint trois ans, alors comme il a dit ici, je peux prendre une bête qui a un âge supérieur et rendre, c'est-à-dire celui plutôt, celui qui est chargé de la Zaka, l'agent de Zaka, il va prendre la bête qui est supérieure à celle qui est due et il rend en valeur le surplus. De, au propriétaire. Ou l'inverse, il prend une bête inférieure, il doit prendre par, il doit, il doit par exemple une, une chamelle qui, qui a 3 ans, mais il n'a pas. Alors il prend une chamelle qui a 2 ans et il donne en valeur la différence. Et il donne en plus de, de, de cela, pour compléter la zakat, la, la valeur de cela, la valeur de la différence. Hier. Et comme il le mentionne maintenant concernant la zakat, alors, il est valable de donner la valeur de ce qui est dû. Quand on parle de lorsque l'on a atteint le seuil de 5 chameaux, alors on donne un mouton ou une brebis. On donne un mouton ou une brebis, on peut donner la valeur de cela. Également, lorsque la personne a 40 moutons et qu'il doit donner un mouton, alors il peut donner la valeur de cela. Et ainsi de suite. Dans les chapitres, dans les sujets de la Zaka, comme la Zaka Tulfitr par exemple, il est valable de, ne, de, de donner la valeur de ce qui est dû et pas, si, et pas seulement et uniquement, comme d'autres savants l'ont dit, uniquement ce qui est dû. Le, dans des livres plus détaillés, ils ont expliqué pourquoi. Ils ont expliqué quelle est la raison, est sur, ou plutôt sur quoi se sont basés par exemple les chefs érites pour dire non, c'est uniquement ce qui est dû, on ne peut pas donner la valeur. Alors que les, les Hanafites se sont basés sur autre chose pour dire, ou, pour, ou comme preuve, pour pouvoir dire qu'on peut donner ce qui est dû, également on peut donner la valeur. Ensuite, concernant la zakat, concernant les bêtes qui sont utilisées pour le travail, les bêtes qui sont affouragées par le propriétaire, alors il n'y a pas de zakat sur cela. C'est-à-dire quand on parle des bêtes qui sont affouragées, des bêtes saima, euh, c'est une des conditions. Si on l'utilise pour le travail, si on l'utilise, et si cette bête-là, elle est affouragée, alors il n'y aura pas de zakat sur cela. Également, l'agent la, euh, de la zakat, celui qui est chargé de prendre donc la zakat, euh, alors, il prend ce qui est de valeur intermédiaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre les meilleurs des biens de la personne, ni il va prendre non plus ceux de mauvaise qualité, mais ceux qui sont normaux, ceux qui sont intermédiaires. Et celui qui possède un seuil, et que, au cours de l'année, le nombre de biens de cette catégorie augmente, ces biens ajoutés comptent aussi dans le calcul et seront assujettis également à la zakat. Par exemple, j'ai 5 chameaux et un ou deux jours avant l'écoulement de l'année, j'ai 5 chameaux supplémentaires. Est-ce que je fais un calcul à part C'est-à-dire, est-ce que je calcule les 5 sur une année et maintenant j'ai 5 nouveaux, je calcule une nouvelle année sur ces 5-là Non. Même si deux jours avant, j'ai 5 de plus, alors ils s'ajoutent. Donc je vais compter à la fin de l'année lunaire 10 chameaux et je donnerai donc de moutons pour, euh, comme Zakat pour ses chameaux. Ou comme on l'a dit, la valeur de ces deux moutons, comme on l'a vu également. Ensuite, concernant la bête de pâturage, euh, la bête qui est sa'ima, celle qui est euh, affouragée. Cette bête-là en question est celle qui se suffit des herbes pendant la majorité de l'année, c'est-à-dire celle qui, euh, qui n'est pas affouragée par son propriétaire lui-même. Pour cela, il dit par la suite, si son propriétaire la nourrit la moitié de l'année ou plus, alors elle ne sera pas assujettie à la zakat. C'est-à-dire, si son propriétaire il la nourrit six mois de l'année ou plus que cela, alors il n'y aura pas sur celle-là, il ne rentrera pas dans le calcul de la zakat. Bien sûr, maintenant, si la personne il a six chameaux qui sont de pâturage, qui sont à fourrager, et cinq chameaux qui sont à fourrager, cinq chameaux qui ne sont pas à fourrager, ben, il y en a certains qui seront assujettis à la zakat et d'autres qui ne le seront pas. En fonction de cela, chaque fois la personne observe et donnera la zakat en fonction de cela. Ensuite, il dit que selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Abu Youssef, la zakat à donner concernant le seuil en question est concernant le seuil en question et non les intervalles entre deux seuils. Mais selon l'imam Muhammad, elle incombe pour tout l'intervalle en question. C'est-à-dire, euh, elle incombe, il dit plutôt, il incombe pour le seuil et l'intervalle. Elle incombe pour le seuil et l'intervalle. C'est-à-dire que pour l'imam euh, pour, euh, pour Abu Hanifa, l'imam Abu Youssouf, la zakat à donner concerne le seuil uniquement et pas les intervalles. Alors que selon l'imam Muhammad, elle incombe pour les deux. L'intervalle. Euh, le seuil et l'intervalle. Euh, les commentateurs de le Quduri, comme euh, le Cheikh Al-Hunaymi, a mentionné que l'utilité euh, de cela, c'est-à-dire euh, oui, l'utilité de cela est que si, par exemple, pour comprendre, quand on dit euh, le, 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 euh, la zakat, elle concerne le seuil et pas les intervalles, selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Abu Yousuf, ce qui, qui sont appelés euh, les deux Shaykh. Quand on dit selon les deux shaykhs, c'est Abu Hanifa et Abu Yusuf. Euh, et selon l'imam Muhammad, lui, il, il, compte, il compte pour le seuil et l'intervalle. Euh, quelle est l'utilité dans, 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 dans la différence de, de, de cela C'est que, si par exemple, si, par exemple euh, la personne elle a 60 moutons. Si la personne a 60 moutons, comme on l'a vu, combien elle doit de, de moutons Elle doit 40. Euh, pardon, elle doit comme 40, c'est-à-dire elle doit un mouton. Elle doit donc un mouton. Euh, si elle a 60, donc, est-ce que, c'est-à-dire que selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Abu Youssef, c'est. Euh, est-ce que ce mouton-là, il correspond à 40 et l'intervalle n'est pas compté Ou ce mouton-là, il compte pour les 60 Alors c'est là où il y a la divergence et c'est là où on va expliquer l'utilité de cette divergence. Donc selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Abu Yusuf, si la personne a 60 moutons, il doit un mouton. Ce mouton-là, il équivaut au seuil uniquement, comme on l'a mentionné dans le texte, et pas par rapport à, à, à l'intervalle. Tandis que selon l'imam Muhammad, s'il a 60 et qu'il doit un mouton, ce mouton, il, il est euh, par rapport à ses 60 et pas par rapport aux 40. C'est-à-dire qu'il incombe pour le seuil et pour le surplus, et pour le surplus ou pour l'intervalle. Dès lors, dès lors, si la personne doit maintenant un mouton, parce qu'il a 60, et que euh, 20 de ces moutons euh, ont été perdus, ont été. Ils ont. été. Il a perdu, ils, ils sont euh, morts, par exemple. Alors, selon l'imam, selon l'imam et Abou Youssef, il doit un mouton. Pourquoi Parce que. Ces 60-là comptent pour. Euh, ou plutôt, ce mouton-là, il compte pour les 40, il ne compte pas pour les 60. Donc, ce surplus-là, même s'il est perdu, même s'il a été euh, détruit, même s'il a été détruit, pas par la personne elle-même, pas par la personne elle-même, s'il a été détruit, alors, euh, la, selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Abu Youssouf, il doit de toute façon un mouton. Tandis que, selon l'imam Muhammad, alors, il incombe les 60. C'est un mouton et ça incombe pour le seuil et l'intervalle, c'est-à-dire les 40 et les 20 de plus. Donc, selon l'imam Muhammad, s'il si a perdu, s'il a détruit, il, a été, il lui a été détruit, il a perdu les 20 moutons, alors il devra deux tiers d'un mouton, vu qu'il a perdu un tiers. C'est là où apparaît l'utilité de la divergence entre l'imam Abu Hanifa. Et Abu Yousuf et entre l'imam Muhammad non. Et si tout le bien imposable il a été détruit après que la zakat a été due, alors celle-ci ne sera plus due. Il avait 40 moutons et tous les, les 40 moutons ont été anéantis. Alors il ne devra, il, plus, il, doit, il ne doit plus de zakat. Dernier, dernière parole de ce chapitre. Euh, dernier jugement qu'il mentionne, le Cheikh Al-Qudouri, si une personne donne la zakat à, euh, en avance, avant que l'année ne s'écoule, cela est valable s'il possède actuellement le seuil. C'est-à-dire que la personne peut donner la zakat avant la fin de l'écoulement de l'année, mais à condition qu'il il soit déjà maintenant propriétaire d'un seuil. S'il a le seuil, s'il a le seuil à ce moment-là, alors il peut donner en avance la zakat, même si c'est avant la fin de l'année. Et si à la fin de l'année, il avait un surplus dans le, par rapport au seuil, qui incombe un surplus dans la zakat, alors il donnera à ce moment-là ce surplus. Il donnera à ce moment-là le surplus. Mais il peut, durant le cours de l'année, donner de la, déjà la zakat. Mais, comme il a dit, à condition, c'est qu'il ait un seuil. C'est pas, il a, exemple, il, a, il a par exemple trois chameaux... Et puis, par exemple, il veut déjà donner la zakat euh, parce qu'il compte à la fin de l'année avoir cinq chameaux. Non, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Puis ensuite, le shaykh dit Babu zakat il le chapitre de la zakat sur l'argent métal. Euh, non, ça, on, on, on s'arrête ici on abordera ce point-là, incha'Allah ta'ala, durant le prochain cours. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا واقبلنا باسرار الفاتحه